Et bonjour YouTube, bonjour Fred, bonjour Luc et bonjour Alex. Yo. Salut. J'espère que tout le monde va bien. Dernier match de la saison asgarienne, bienvenue en Belgique. Bienvenue à Spa-Francorchamps, un des circuits les plus mythiques du monde. Nose, premier, deuxième Nextox, troisième No Limit, quatrième Blix, cinquième Lux, sixième Todd. Voici la grille de départ et qui consacre définitivement le pôle même de l'Asgari. Nose, 10 pôles, incroyable, GG à lui. C'est la fin de la saison asgarienne. Et qui dit fin de la saison asgarienne dit dernier petit réglage, on va en parler dans un instant. Dernière petite chose, point du classement à régler, mais c'est d'abord le Grand Prix de Belgique, un des plus longs, 7 km. Une 45-22 tours, il y a 20 pilotes, merci à tous ceux qui sont là, évidemment. Et puis après, le championnat, vous le voyez ici avec, avec Toth et Nose qui sont confortablement installés sur la première et deuxième place du podium. Mais ce qui va être intéressant ici, c'est entre lui qui nous naît et Nextox, 9 points d'écart. 9 points d'écart, tout peut jouer, tout peut se faire avantage Luc pour le moment, mais attention, attention, tout peut se passer. Nextox reprend du terrain depuis un petit temps, Benichet confortablement installé à la 5ème place, Neko 6ème, 7ème Volcanox, 8ème Zen, 9ème Valky, 10ème Blix, 11ème No Limit, 12ème Titan, No Limit qui est avec nous qui est 3ème. Il faudra voir également à la place. Évidemment, les 11 premiers évidemment, peuvent espérer être invités au trophée des champions. On va en parler un peu pendant la course. Je vais essayer d'en placer une. On va voir, évidemment, vous avez ici le reste du classement de cette Ligue Asgarienne saison 2 qui nous aura offert tant de spectacles. Évidemment. Alors, des disqualifiés, il y en a dans ce tour de chauve, mais c'est pas grave, ça va repartir. 22 tours de la pluie annoncée peut-être en fin de course, peut-être une averse de pluie en fin de course. C'est beaucoup de peut-être, hein. Peut-être qu'il n'y aura rien, peut-être que c'est approximatif en plus, donc on ne sait pas. Le premier virage va être super important, évidemment, puis ils seront lancés dans le raidillon. Donc c'est un départ très lent. Ça va se toucher, peut-être, peut-être pas. Fair play pour tous les Asgariens. Profitez de ces courses. Avec ici, Nextox. Non, c'était Blix. Allez, Nose à droite. Enfin, de notre côté. Enfin, de son côté. En bleu et jaune. Nextox juste après. Alors, c'est parti. Dernier départ de la saison. Un excellent départ, j'ai l'impression de Luc. No Limit 3. Oui, alors que c'est qui parle là-bas. J'ai l'impression que Nextox a pris un mauvais départ. Et Nose et Lukinune, alors que fou là, c'est très serré là. Entre No Limit, Todd, Nextox, Blix. Oh là là, ça va se toucher dans le raidillon. Quel de casse là. J'en vais vite voir s'il y a eu de la casse ou pas. Il y a eu de la casse à l'arrière. Il y a eu de la casse à l'arrière, ok. Ouais, ça va toucher. On va regarder ici. Évidemment, c'est un circuit. Un intérieur. Ouais, Luc a fait un superbe intérieur, superbe départ. Excellent. Premier Nose, deuxième Luc, troisième No Limit, quatrième Todd, cinquième Nextox, sixième Z, septième Benich. Excellent départ d'Enzo qui est dixième. Blix, par contre, est relégué aux profondeurs du classement, mais ça ne veut rien dire, on le sait. Et Blix abandonne. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est la première grande déception de du circuit, de la course. Blix abandonne. Ça veut dire que Blix ne défendra peut-être pas sa 10ème place. C'est peut-être tout bénef pour No Limit et pour Titan. Et du Kinune 2ème, No Limit 3ème, Todd 4ème. Nextox 5ème, mauvais départ de Nextox aussi. Ah oh là là, et No Limit qui est très limite. C'est le cas de le dire avec. Enfin, en tout cas là, il a eu un peu de mal. Alors, soit une stratégie en un arrêt, soit une stratégie en deux arrêts. Alors que Captain MF abandonne aussi. Isdran abandonne aussi, sûrement une collision. Peut-être qu'il y a une voiture de sécurité virtuelle. Et Valky, déjà une pénalité. Et No Limit qui rentre. Et Lucky Nunek qui rentre aussi. Voiture de sécurité virtuelle, ils rentrent tous les deux. On va mettre les infos sur les pneus. Nextox rentre aussi. Donc on a Lukine qui repart en médium, c'est le seul qui repart en médium, j'ai l'impression. Et bonne soirée Blix. Benich repart en médium aussi.
Alors que devant, on a Nose et Z qui est deuxième. Et qui est en train d'attaquer Z, Nose. Oh, toi, pardon. Et Nose, il est de nouveau devant, plus de 8 secondes, mais qu'est-ce qu'il fait? Incroyable. On a Lucky Nune qui est du coup 7ème, 9ème Nextox, donc actuellement la 3ème place de Lucky Nune, elle est assurée sur le podium. 6ème Enzo qui fait une remontada assez incroyable, 5ème No Limit, 4ème Brutalizer qu'on voit encore aux avant-postes. Et Emrikou 11ème, ouais. Effectivement. Et exactement, un superbe Grand Prix. Un petit mot, parce que je veux vraiment le caser là-dessus, évidemment, pour vous dire que par rapport à l'Ukraine, je sais qu'il y a certains pilotes qui ont, notamment Nose avec le drapeau ukrainien, ou d'autres qui se sont exprimés par rapport à ça. La guerre en Ukraine est évidemment une horreur. Nos pensées vont évidemment vers les populations qui en sont victimes. Il ne s'agit pas de faire de la géopolitique ici, juste d'être solidaire des populations qui souffrent et de se dire aussi que les violences partout dans le monde est abominable et ne doit pas être banalisée. À nous qui avons la chance d'être libres et de vivre en paix, à nous qui avons la chance de jouer tranquillement à des jeux vidéo, ne pensons pas que nous ne sommes pas concernés. Défendre le respect et la paix entre les êtres humains est un combat de tous les jours qui doit être aussi mené à l'échelle d'une communauté de jeux vidéo. Lasgari a toujours placé le vivre ensemble au cœur de ses valeurs et continuera à le faire avec vous. Évidemment, merci à tous ceux qui y contribuent. Symboliquement, on se joint aussi au mouvement de solidarité internationale en organisant plus le Grand Prix de Russie au sein de nos compétitions de Formule 1. C'est bien que ça ne changera rien à notre niveau, évidemment, mais voilà, c'est une manière pour nous de soutenir les populations qui sont concernées, évidemment, ici le monde du jeu vidéo peut un peu se mobiliser, c'est bien aussi. Il s'agit juste d'être humain, tout simplement. Voilà. Et je pense, et j'en parlerai dans les remerciements, que cette saison asgarienne a été globalement, même je vais dire presque totalement, il y a toujours évidemment des faits de course et des émotions qui s'expriment, et c'est bien normal. Mais il faut savoir passer au-dessus, il faut savoir apprendre parfois aussi à ne pas être d'accord. Et je trouve que cette saison a été exemplaire. En termes d'ambiance, c'était assez incroyable. Donc ça, c'est le premier remerciement aujourd'hui. Il ira au fair play, évidemment, et à tout ce formidable état d'esprit. Parce que tenir une compétition comme ça dans une communauté comme la nôtre, voilà, qui n'est pas habituée à ces compétitions entre joueurs, c'est quand même assez incroyable. Donc merci à vous, vivement la suite, bien sûr. Nose. Premier, deuxième Tot, 8 secondes, c'est assez incroyable. Z est troisième, Brutalizer quatrième, c'est fou ce classement en fait. Ça fait du bien de revoir, on va dire, des anciens. Alors que Nose fait le meilleur temps en soft, et Z attaque Nose. Ah non, c'est No Limit qui attaque Brutalizer. Et No Limit qui est passé. No Limit, il joue grand, parce que No Limit, il peut presque espérer prendre la 10ème place et la ravir à Blix. On a Enzo qui... Ouais, c'est ça. Enzo 6ème, Luc juste derrière. On va voir évidemment entre Nextox et Luc. Nextox qui est reparti avec des pneus soft, 0 tour. Et que lorsque Valky vient d'abandonner, voiture de sécurité. La voiture de sécurité qui vient de rentrer. On va donc procéder à un rassemblement de tout le monde. Ça ne fait pas les affaires de Nose, j'imagine. On a Yogg-Sothoth. À l'entrée du stand. Il a crash. Il est arrivé trop vite. Okay. À l'entrée du stand. Oh là là, 5 pilotes qui ont abandonné. Blix, Isdran, Captain MF, Yogg-Sothoth et Valky. Assez incroyable. L'occasion pour moi d'évoquer un petit peu, et je vais peut-être le faire sur YouTube parce que je ne l'ai pas fait sur YouTube encore. Donc, eh bien, ce qui vous attend le 18 mars sur Twitch, ça sera retransmis, ça sera évidemment remis en vidéo YouTube. Vendredi 18 mars aura donc lieu les courses d'intersaison. On reprendra la saison 3 le 25 mars. Je vais donc là faire un petit résumé pour YouTube et même pour Twitch, pour ceux qui ne sont pas là. Donc le vendredi 18 mars, à 20h, aura lieu sur Twitch la présentation de la saison 3. Il y aura une petite nouveauté par rapport à la saison 2, je n'en dis pas plus. À 20h45, aura lieu la course des oubliés. En fait, les oubliés, c'est tous ceux qui font partie du top 10
de du classement de l'Asgari. Donc ça serait une course qui mettra en valeur voilà ceux qui ont peut-être un peu moins l'habitude d'être devant, on en reparlera. 22h15, le trophée des champions. Alors que Noz est en train de rentrer au stand, forcément ils vont tous en profiter. Le trophée des champions aura lieu lui à 22h15, ça sera globalement le top 10 asgarien. Peut-être même le top 11 parce que voilà, on privilégie les pilotes qui sont habitués à l'Asgari, donc Neko ne sera pas invité parce qu'il n'a pas assez participé. Donc ça sera en gros les 11 premiers du classement, plus les deux premiers de la course des oubliés. Donc on aura une course à 12 à peu près, à 12 pilotes pour le trophée des champions. Et alors ce qui va être très particulier, c'est que les pilotes vont se voir attribuer une écurie et les courses se dérouleront avec les vraies performances des voitures. Voilà, ça sera des courses amicales avec ce petit challenge là, avec les meilleurs pilotes qui auront les moins bonnes écuries. Voilà, ça sera donc assez sympa. Les circuits de la soirée seront choisis par les participants à la course des oubliés, donc le top 10 n'aura pas le choix du circuit. Tout ça se fera par vote et s'organisera sur Discord. Voilà, ça sera donc très très drôle et on en profitera également ce soir-là pour tirer au sort les Grands Prix, l'ordre des Grands Prix de la saison 3. Il faut savoir qu'à chaque fois, ça commence à Monaco et ça finit à Spa. Voilà donc pour la suite en Asgari, ça nous mènera à peu près tout ça jusqu'au mois de juin, fin juin. Voilà, c'est l'objectif. Et Wilfan qui me dit si vous me foutez une Red Bull, je casse tout. Alors, comment dire, tout ça sera attribué de manière objective. Voilà. Allez, on fait une petite pause sur la voiture de sécurité sur YouTube et on revient juste après. Allez, la voiture de sécurité rentre ce tour. On a No Limit et Nextox qui sont arrêtés en soft ainsi que Titan. Tous les autres sont en médium. Avec, je pense, peut-être plus de chances de monter dans le classement pour ceux qui sont en médium. Les softs n'ont peut-être pas duré très très longtemps. Le circuit est assez long. Luke Hinonet pour le moment est bien placé par rapport à Nextox pour la troisième place. Et c'est ce qu'on se disait aussi. Luke, il a fait troisième toute la saison. Ça serait quand même bête de se faire coiffer sur le poteau. Hein. La dernière course quoi. Ouais. C'est ça. Mais attention. Tout peut se passer. Il y a la pluie des derniers tours aussi. Il y a la pluie qui peut arriver aussi, ouais, effectivement. Allez, on va vivre le Ridian dans la voiture de Nextox. Ça se prend pas spécialement à fond, hein. Il a pas passé à fond. Il a peut-être raison. On a No Limit qui va aller attaquer Noz. On sait que No Limit. Qui pourrait d'ailleurs être le seul pilote asgarien à faire un doublé, parce qu'aucun pilote asgarien entre la saison 1 et la saison 2 n'a fait un doublé sur victoire saison 1, victoire saison 2. Problème secteur 1, secteur 2. On espère que ça va aller. J'ai l'impression que ça commence à se couvrir. Hein. Très légèrement. On va rester sur No Limit là qui chasse Noz. Mais c'est normal, nos limites. Ah, nous louons aux voitures de sécurité, mais que se passe-t-il? Il n'y a pas eu d'abandon. Et on repart en voiture de sécurité. Il n'y a pas d'abandon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Absolument pas ce qui s'est passé. Bon, bah voilà. Voiture de sécurité, il n'y a pas d'abandon, tant mieux. Ça veut dire que ça va vite repartir, du coup, je pense. Il y en a sûrement qui vont rentrer au stand, il y a certainement des débris sur la piste quelque part, je pense. Ouais, peut-être un élan qui a sauté ou quelque chose. Ouais. Alors, plus dans 10 minutes qu'ils m'ont annoncé à la radio avant mon crash, la pluie va pas tarder, hein. Je pense qu'on va suivre ça avec intérêt. Je vais laisser la voiture de sécurité sur YouTube parce que finalement j'avais demandé qu'il y ait deux voitures de sécurité, une pour parler d'Ukraine et une pour parler et faire des remerciements de l'Asgari. Évidemment, alors les remerciements, bah, c'est peut-être banal, mais vous n'imaginez pas à quel point c'est important. Parce que, évidemment, ils sont nombreux à avoir contribué à faire de cette course ce qu'elle est. Je voudrais remercier, enfin, de cette saison ce qu'elle est, ce qu'elle a été, ce qu'elle sera encore, hein, vu qu'évidemment il y aura plein d'autres courses. Je voudrais remercier, bien évidemment, l'équipe de l'ombre, ceux qu'on entend moins, qu'on voit peut-être moins, et ceux qui m'aident à commenter aussi. Bah, Alex, merci évidemment pour tout le boulot, tout ce qui a été à chaque fois fait de manière assez spontanée, les infographies, le Google Doc,
et les petits commentaires en course aussi. C'est un véritable plaisir. Fred, merci d'être venu remplacer Adibou. Bah oui, oui, c'était... au commentaire, mais oui, voilà. Mais c'était très clair. Je remercie Adibou aussi hein, de m'avoir aidé au commentaire. Mais c'était bien, Fred, aussi d'avoir... d'avoir, je vais pas dire un expert, parce que le mot est tellement galvaudé en ce moment, mais je le dis, un expert en automobile, en tout cas plus que moi, mais ça c'est pas très compliqué. Donc merci à lui. Merci à Twenty aussi, qui même s'il est parfois moins présent, est toujours quelque part et travaille quand même sur pas mal de choses. Il apporte toujours une aide constante. Merci à Dermos, le site du championnat qui se met en ligne automatiquement, c'est de lui, donc merci à lui. Je sais qu'Incendie, Dermos et Twenty, ou Incendie et Twenty également, ont travaillé sur le bot d'inscription sur Discord, c'est important. Donc merci à eux, merci à Luc aussi pour tous les conseils. Merci de me supporter et merci en tout cas donc pour tout ça. Merci évidemment aux 31 ou 32 pilotes qui ont animé toute la saison, qui ont participé une fois ou deux fois. 32 pilotes, je vais remercier Todd, Noz, Luc, Nextox, Benich, Neku, Volcanox, Z, Valky, Blix, No Limit, Titan, Ninja, Fimti, Duan, Red, Brutalizer, Padawan, Shiniko, Watchdog, Senzo, Isdran, Wasp, Munilith, Pepe McFly, Captain MF, Kaiboshin, Emreku, Bitfan, 20, Maxence, Ken Vespucci et Yogo Zotot. C'était un plaisir à chaque fois de vous commenter, de vous croiser. Merci aussi, je l'ai dit et je le redirai à chaque fois, pour cette bonne ambiance. À chaque fois, les émotions et les faits de course n'ont jamais entaché la bonne ambiance. Et ça, c'est bien. Il faut apprendre parfois à ne pas être d'accord. Il faut parfois apprendre aussi à rager en silence. Et vous l'avez fait pour le bien de tous. Et merci énormément. Merci aux spectateurs sur Twitch. Chaque fois nombreux qui auraient cru un jour que je ferais des streams à deux chiffres régulièrement sur de la F1. C'était pas du tout parti pour ça en stream. Merci également aux spectateurs de l'ombre sur YouTube, aux commentaires à chaque fois encourageants. Je sais, voilà, c'est à chaque fois une centaine de personnes, un peu moins, qui regardent ça sur YouTube. Je trouve ça super. C'est vraiment toujours très très sympa. Je mets des vidéos sur YouTube, non pas parce, enfin, pour qu'elles soient vues, oui, forcément, mais par souvenir aussi. Hein, c'est des vidéos qu'on regardera dans un an, deux ans ou à trois ans. C'était vraiment, vraiment génial. Merci aux streamers, à tous ceux qui ont streamé les courses de l'intérieur. Plus on occupe Twitch, plus c'est super, évidemment. Je pense bien sûr à Blix, je pense à Titan, je pense à Luc. J'espère ne pas en oublier. Mais tous ceux qui ont permis de voir la course autrement, merci à tous ceux avec qui on passe nos fins de soirée, parfois à discuter aussi, à refaire le monde. C'est toujours chouette. Merci à toute l'équipe d'animation sur Discord. Je veux dire, tous ceux qui... les modérateurs et tout, parce qu'il faut, il faut gérer tout ça. C'était très très chouette. Et donc voilà je suis sûr que j'ai oublié plein de gens, mais je pense pas, en fait. J'ai oublié quelqu'un. Avant tout, merci à toi quand même, parce que bah, que ce soit sur le Discord, enfin, on sait que tes streams fédèrent pas mal le Discord. Mine de rien, quand tu brasses 20 personnes sur deux courses tous les vendredis, c'est toujours un plaisir, en fait. Bah, c'est avant tout merci à toi de proposer tout ça, en fait. Et ben voilà, c'était presque téléphoné. Quand j'ai dit ça, je me suis dit, il y en a un qui va dire, mais non, mais merci à toi, Asgard. Je me suis dit, merde, là, mais c'était pas téléphoné du tout. Je vous assure, mais merci beaucoup, c'est un plaisir. Je voudrais remercier les pilotes et les commentateurs d'Islaman qui faisaient que j'attendais les soirées de vendredi et les rendaient si agréables. C'est vrai que moi aussi, en tant que, voilà, mes semaines passent plus vite quand il y a la F1 le vendredi soir. Quoi. Je le redis, mais suivre ce championnat était aussi, voire plus passionnant que suivre la F1 IRL. Eh ben oui, évidemment. Ben, évidemment, je ne sais pas, mais voilà. J'ai oublié de remercier, même si cette année ils n'ont pas été très performants, mais merci le jeu, merci les développeurs du jeu. Bon, cette année, il faudra quand même faire un peu mieux l'année prochaine, parce que là, au niveau de la stabilité du multi, c'était pas dingue, mais globalement, on a quand même réussi à faire toutes les courses. Je pense que les pilotes ont souffert de plus de bugs que nous n'en avons vu, nous. Mais voilà, quand même les remercier, parce que toujours remettre les choses, évidemment, dans la balance. On espère que vous améliorerez un petit peu la stabilité du multi l'année prochaine, mais c'est quand même déjà bien d'avoir accès à tout ça, évidemment. Mais voilà, c'est toujours beaucoup de plaisir. La prochaine saison, 25 mars sur F1 2021, oui, bien sûr, oui. Oui, il y a eu pas mal de dégâts. Et voilà, la voiture de sécurité rentre ce tour, c'est bon, maintenant j'ai plus besoin de voiture de sécurité, c'est bon,
On va pouvoir donc continuer la course. Merci d'avoir supporté sur la piste et pardon pour la faute, le froid, c'est les secondes perdues pour ma maladresse. Allez, un double merci à tous ceux qui, je sais pas quand, comment vous faites, hein, moi, qui allez, je pense à Imriku, je pense à Pepe, je pense à Isdran, enfin, je peux en citer parce que ça fait vraiment ils sont très forts mentalement. C'est assez incroyable. Tous ceux qui se disent, je vais participer aux courses, je sais que je serai dernier ou presque, qu'on va me prendre 5 tours. Moi, il faut le faire, vraiment. Du mental, hein, mine de rien. Ah, enfin, c'est clair. Vendredi et c'est beau. Mais le niveau augmente et c'est bien parce qu'au final, quand même de moins en moins d'abandon. Et sur la course précédente, on l'a vu. C'est top. Hein. Bien, alors qu'il y a nouveau un accrochage secteur 3, mais ça va le faire. Enfin, un accrochage en tout cas, un spin nose no limit, Lukinune, Tot, Nextox. Il n'y a pas eu de changement de pneu, peut-être. Brutalizer, Padawan, Imriku sont en hard. Nextox va-t-il aller accrocher la troisième place du général? Là, pour le moment, c'est complètement à son désavantage. Bien sûr, on a ici Tot, Luc et No Limit qui suivent Nose. Ça va être très intéressant et j'ai l'impression qu'il va commencer à pleuvoir. Il commence à pleuvoir, ouais, là maintenant. Moi, je commence à avoir des doutes. Et il commence à pleuvoir. En milieu de course, quoi. En milieu de course. Et si c'est juste une averse? Alors, pas partout sur le circuit, j'ai l'impression. Je sais pas à quel point c'est réaliste. Je pense qu'on va vivre une boucherie. Il y a des problèmes secteur 1, secteur 2. Alors, comme d'habitude, comme aux États-Unis, bah, qui va rentrer le premier? Je pense qu'on va encore attendre peut-être un tour ou deux, pas plus. Si vraiment la pluie se confirme, j'essaie de voir ici à l'intérieur avec Tot. Pour le moment, j'ai pas. Ouais, pour le moment, je vois de la pluie. J'ai l'impression de voir de la pluie. Regarder l'arrière de Luc, si je peux me permettre, non. J'avais l'impression de voir un peu ça de manière humide. Ah oui, il pleut. C'est confirmé. Ou alors c'est le reflet du soleil. Non, il pleut très 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 clairement. Francorchamps en pluie, ça serait bizarre. Je pense que c'est Titain qui va rentrer le premier, je le connais. Tous ceux qui sont en soft, ils vont rentrer tout de suite. Ils rentrent tout de suite. Ou pas, non. Ah non, c'est beaucoup trop tôt. Alors, est-ce que Tot va aller dépasser Luc? Mais c'est surtout Nextox qui est pas loin, ainsi. Ah, jusqu'au bout, ça va être serré. Alors que Tot. Alors, Luc ne doit pas prendre de risques. Allez, Nose, No Limit, Tot, Luc, Inoue, Nextox. C'est un peu le quintuor. Je sais pas si y a ça, vas-y. Ou le quintet. Alors que voilà, vous avez vu qui est le premier au stand? Je vous l'avais dit, c'est Titain. On connaît par cœur. La sécurité. Toujours. Et effectivement, il pleut. Et alors, c'est pas mi-course. Hein. Enfin, si c'est mi-course, hein. On attendait plutôt une averse en fin de course. Oh là 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 là, je vais rester ici parce que ça va être intéressant de suivre ce petit trio derrière le duo de tête. Et merci Pop-Up pour le raid. Et là, tout peut se jouer, évidemment. Nextox est derrière Luc. Il y a 9 points d'écart entre les deux. Ça peut vraiment partir très vite avec la pluie. La troisième place du championnat va se jouer là. Il y a 9 points d'écart entre les deux. Avantage Luc. Si Nextox revient à égalité, c'est Nextox qui sera troisième parce qu'il a gagné 2 fois. Luc a gagné 1 fois. À moins que Luc gagne cette course-là. Mais dans ce cas-là, il assure sa troisième place au général. Si Luc gagne ici... Le problème, c'est que refaire un tour là, le circuit est long. Hein. Donc refaire un tour, c'est prendre un risque. Tour, et Nextox, hein, ouais, Nextox est plus rapide que Luc. Forcément, il est en pneu soft. Pneu soft déjà bien usé. Oh, il va rentrer. Il rentre. Je pense qu'il faut encore un tour. Ah non, il faut encore un tour. C'est vrai, il a pas demandé l'arrêt, Luc, là. Non. Il joue avec le feu, quand même. Ils jouent tous avec le feu, là. Voilà, j'avais payé Luc pour qu'il y ait un bon combat, mais là c'est bon, le combat, il a lieu. Alors 9 points, ça fait beaucoup évidemment d'écart, mais avec la pluie tout peut se passer. Évidemment le tank, ouais, effectivement, après, c'est surtout le raidillon. Et la direction de course active, le DRS, voiture de sécurité virtuelle, ils vont rentrer. Allez, on sait que la pluie à Francorchamps, ça peut être...
fatal pour les spectateurs. Ouais, quand il ne dirait pas encore qu'il pleut, c'est une petite averse. Peut-être que la pluie, que la piste n'est pas trop mouillée. Je suis désolé de rester sur ce combat entre Nextox et Luke, mais c'est ça le grand intérêt de cette, cette fin de saison. On sait que Tita restera 12e en général. Je pense qu'il n'est pas parti pour rattraper Blix, même si Blix a abandonné. Attention au Delta, les pénalités ça peut compter aussi. C'est reparti. J'ai pas l'impression de les voir énormément glisser non plus. Hein. Aucune idée. La pluie, si t'es entré Mungol, ça passe. Et Volcanox. Ah, et encore sécurité. Aïe, 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 aïe. Ouh, drapeau jaune partout. Voiture de sécurité? Non. C'est bon. Ah, ouais, à mon avis, ça commence à glisser. Hein. Alors que toi, t'es en train d'attaquer No Limit. Je vais regarder. Regardez quand même un peu ce qui se passe ici. Le jeu de Z à crash, il relance. Il va falloir inviter Z. Ouais. Et, ah, No Limit. Et le premier à rentrer, mais forcément, sauf 9 tours, Nextox aussi. Ça, c'est intéressant. Je pense, hein. Ouais. Ouais, en fait, c'était les softs en 9 tours qui... Et 10 tours qui commençaient un peu. Et donc, ils vont passer en intermédiaire. Ou pas. Ça disait que ça allait pas s'améliorer niveau du temps dans les voitures. Donc No Limit repart en médium. Mais Nextox aussi. Aïe. Et Luke a crash. Et Luke a crash. Le crash de Luke. Il a perdu la danse. Ouais. Alors là, ça, c'est le coup dur. Ouais. Alors. Et le Raidillon. Le Raidillon pour Luke a été fatal. Luke. Oui. La pluie qui t'a eu dans le Raidillon ou pas? De forte chance, oui. T'hésitais à rentrer pourtant, hein. Je voyais sur ton stream, j'y rentrera pas, les conditions... Je et... Non mais c'est passé comme tour, j'ai voulu prendre le risque, quoi. Aïe, 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 aïe. Alors là, on va être très clair. Qui a le meilleur temps en course actuellement? Il faut réinviter Z. Et bonsoir Klios. Qui a le meilleur temps en course? Et alors qu'il y a une voiture de sécurité, c'est la folie. C'est fait pour Z. Alors là, on est clair, si Nextox finit 5e, il est 3e du championnat. S'il finit 6e, il faudrait qu'il ait le meilleur tour en plus. Et voiture de sécurité. Il est 7e, quoi. Il est traître. Tout se joue. Hein. Nextox est 7e. Le podium... Du temps des bras. Ouais. Il reste 9 tours. Et il y a la pluie. Alors, je vous jure, c'est ça qui est toujours assez tragique. C'est qu'on adore le spectacle. Mais on n'aime pas quand ça se finit comme ça, en fait. C'est évident. Et voilà, donc on a... Évidemment, si Nextox, évidemment, ça serait génial pour lui d'être 3e. Mais comment dire, le clash de Luke, non, quoi. Voilà, sur une bataille à la régulière, ce genre de truc. Même spectateur, t'es censé pouvoir prendre ta voiture. Bon, allez, on fait une petite pause sur YouTube et on revient après. Et la voiture de sécurité qui rentre ce tour avec pas mal de choses qui se sont produites, en tout cas pas mal d'enjeux. On a Nextox qui est 6e. Il est juste derrière Ninja Génial qui a une pénalité de 3 secondes. Donc pour le moment, on peut dire que Nextox, il est sur le podium. On a cette pluie, on ne sait trop quoi penser. C'est une petite averse. La piste refroidie, les pneus aussi. Enfin bref, le départ auquel on va assister là va être très dangereux. Très, très, très dangereux. La piste est bien humide là. Ouais, peut-être une piste bien humide. On a Titin qui est rentré, mais des médiums. Donc voilà. Non, et Emricou ne joue pas au joystick. T'es des conneries. Et Emricou, qui va peut-être rentrer dans les points aussi, en tout cas qui est toujours 11e. Voilà, la course reprend. Attention. On a Tot et Nos qui sont devant.
On va s'intéresser évidemment à Nextox. On a Nolimit qui tente de dépasser Z. On a Nextox qui tente de dépasser Ninja Génial. On va un peu essayer de se rendre compte alors que Nolimit a passé Z. Le Raidillon, vous le voyez tout au-dessus. Oh, et non, il pleut quand même plus fort là. Ou que ça va être compliqué. Et Todd qui est passé sur Nose. Ouais, Benish et Padawan ont gardé les intermédiaires. Non, juste Benish. Qui passe Brutalizer. Je sais pas quelle est la bonne stratégie. C'est compliqué là. Bah, Benish aura un arrêt de moins hein, en théorie. Et Nextox qui passe Ninja, génial. Ninja dans l'herbe. Voici Ninja Nextox 5ème. Problème secteur 2. Oh là là, c'est une dinguerie. Je suis désolé, je reste sur Nextox évidemment. On va quand même aller voir ici Tot Nose No Limit. Un trio de tête assez incroyable. On va voir qui va rentrer maintenant. C'est une hécatombe actuellement. Ah ouais, là ça glisse, il faut qu'il rentre là. Enfin, là ça se voit très clairement. Le Raidillon comme ça, ça ne pardonne pas. Hein. Ils ont lâché les gaz. Hein. Ah ouais, non, ça c'est. Luc nous confie avoir crash pour éviter ce carnage, quoi. Tout simplement, il ne voulait pas participer à ça. Et il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Ils sont fous. Il ne rentre pas. Nextox ne rentre pas non plus. Forcément, si les premiers ne rentrent pas, il ne rentrera pas. Alors, je suis désolé, mais on va quand même aller regarder ici le Raidillon avec nos limites, nos étotes. Attendez-vous à de la Formule 1 dans ce cas-là. Il ne rentre pas parce qu'en fait, il reste 5 tours. C'est clair. Mais je pense que c'est une erreur. Ouais, ça va. Ouais, les prochains tours, ils regardez-moi ça, le Raidillon. Il n'y a pas de gaz du tout, quoi. Ils sont. Ah, tu le prends lentement, c'est tout. On a nos limites qui passent sur le côté. Non, oh là, ça va être chaud. Il prend pas de risque. On a Benish qui attaque Nextox. Il est pas mal, hein. Non, je sais pas s'il attaque, mais il s'en rapproche. Je vais rester sur la bagarre entre nos limites et nos. Il roule très vite, Benish, par rapport ouais. À... Ah bah oui, Benish avec ses intermédiaires... Un intermédiaire, voilà. Ils vont devoir rentrer... Le truc, c'est que là, Nextox, il veut pas prendre de risque. C'est normal, parce que techniquement, là, il est 3ème au championnat. Mais derrière, il y a Benish qui, je pense, va le rattraper. Et devant, il y a Z qui va le ralentir. Oui, Nextox, faut qu'il finisse 5ème. Hein. Parce que là, il y a plus de questions de pénalité devant lui, etc. Nextox, c'est pas dit, hein. Est-ce que Benish est le meilleur allié de Luke? C'est vrai que si Nextox rentre maintenant, il finit pas 3ème au championnat. Enfin, je sais pas en tout cas. Et si c'est poussé par c'est pas compliqué. Ouais, c'est chaud. Parce que là, ça commence à devenir très mouillé quand même. Et à ce rythme-là, Benish le double. Obligé. Et si Benish le double, il est pas 3ème. Voilà. Revenir là-dessus. Là, pour moi, sa meilleure stratégie, c'est de rentrer, mettre des inters et de bombarder. On va regarder ici. Oh, alors regardez, allez, ça glisse. Ils rentrent tous. Panos et Panos limite. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Nextox, il rentre. Et c'est Benish qui va faire une. C'est Benish le mieux placé là, dans ce qui est en train de se passer là. Et si Benish gagnait, oh, ce serait beau. Ça serait. Après sa course d'avant, ce serait. Ouais. Après toute cette saison. Les statistiques, ouais. Je voulais en parler. Benish, il n'a jamais abandonné. Il est 3ème et Nextox, il est en train de rétrograder. Il est. Oh là là là, ouais, ouais. Alors le problème. Ouais, devant lui, il y a des médiums. Voilà, il y a des médiums. Donc a priori, Nextox, ça devrait être bon. Alors qu'il y a un problème entre nos limites. Non, pas de problème ici. Est-ce qu'il va avoir une voiture de sécurité? Non. Regardez-moi ça entre nos limites et nos, c'est tellement. Ah, il y a Todd qui est derrière Benish aussi. Quel suspense! Je pense que c'est un combat qui n'en vaut pas le coup, honnêtement. Nos limites et nos. C'est trop dangereux, tu vois. Soit ils s'envoient tous les deux à la casse, et à ce moment-là, c'est
tout est bon pour Nextock, c'est le véritable enjeu de cette fin de course, en plus de la victoire finale. Une victoire, c'est toujours exceptionnel. Ça fait revenir tout le monde derrière. Là, scénario idéal pour moi, c'est une safety car qui vient de derrière Nextox et qui dure un peu. C'est un appel? Non, c'est pas un appel. Non, parce qu'en vrai, ça me servirait pas tant que ça, parce qu'ils vont du coup s'arrêter et Nextox va repasser nous. Là, Nextox, il est 6ème, je pense. Il est 7ème. Oui, mais il peut rien faire. Enfin, Enzo, ah, pas il y a des pénalités devant. Il y a des pénalités en plus devant, donc faut, voilà, c'est 5 secondes pour Titan et 3 secondes pour. Ouais, donc je pense que. Ouais. Ils rentrent pas, ils ne rentrent pas. Ils ne rentrent pas, ils vont faire le pari, ils ont plus rien à perdre. Ils ont plus rien à perdre. Et ils savent que s'ils rentrent, c'est Benish qui gagne. Mais c'est. Moi je suis persuadé que. Voiture de sécurité! C'est qui? C'est. Je sais pas qui c'est. En fait. Je sais pas, on a perdu de place, ouais. Ah, ça c'est tout bénef pour nos nos limites, par contre ça. Non. Je sais pas qui Enzo rentre. Emery Cook a pris beaucoup de... prend beaucoup de distance. Ouais, et on a Nextox ici qui est 6ème. Ouais bah là obligé Nextox il est 3ème. Du coup. Parce qu'avec la safety car, il va rattraper Titan, et vu qu'il a une pénalité. Ouais. Et alors ce qui est quand même assez. Alors mais par contre attention, la voiture de sécurité. Il y aura au moins un tour sans safety car. Ça va être très particulier comme voiture de sécurité. Est-ce que c'est une voiture de sécurité en fait qui nous casse un peu la fin de course? On va pas se mentir. Parce que non, là, elle va durer qu'un tour, je crois. Il y a pas deux tours obligés de safety car. Ouais, je pense quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est... Donc, trois tours, ça va vite rentrer. Est-ce que nos ennemis ils peuvent pas rentrer sinon ils perdent leur course là? Non, puis là, putain, il Titan, il était en intérieur, c'est assez hallucinant. Bénis. Est-ce qu'il pourra... Tout dépend de quand la voiture de sécurité elle va rentrer, là, évidemment. Je veux pas être pessimiste par rapport au spectacle, mais je pense qu'on aura très peu de changements dans l'ordre actuel. Ou alors, je me trompe peut-être. Mais Padawan qui est au stand. Écoute, on va sur nouvelle petite pause sur YouTube et on se retrouve juste après. Oui. Et là voilà, voiture de sécurité qui rentre ce tour, 20 tours sur 22. Tout le monde n'est pas rassemblé. Nextox est 6ème, il est 5ème même parce que il y a un 5 secondes de pénalité. Mais il y a une voiture dont on va suivre également l'évolution dans cette course-ci. Dans la fin de course, c'est Bénish. Bénish, il est en intermédiaire. Bénish, il peut gagner la course. La première victoire, peut-être, je n'en sais rien. Nos limites et nos qui sont en médium devant, ça va devoir tenir. Ce qui s'annonce ici, en tout cas, est assez. Je sais pas. Voilà, il y a différents enjeux. Où ça sera la 10ème victoire de nos. Quand même assez incroyable. Peut-être la première victoire de nos limites cette saison-ci. Peut-être la première victoire de Bénish. Peut-être la 7ème victoire de Toth. La deuxième de Titan, ça m'étonnerait vu la pénalité. Et on connaît nos limites, hein, il peut être agressif, dernier tour, deuxième place collé au premier, il va tenter. Hein. Dernier tour du dernier Grand Prix, et encore plein d'incertitudes. Et il pleut plus, mais le temps que ça sèche, et il ne pleut plus, ça c'est l'info. Et du coup être en intermédiaire... Ça veut dire... Oh là 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 là. Après il reste deux tours. Et nos limites qui passent nos. Et nos limites qui passent nos. Tout peut se passer encore. Ah si, il pleut ici. Comment ça? Ah oui. Ah là c'est incroyable. Il pleut que sur certaines parties du circuit. Ah ils sont forts quand même. Bénish. Oh là là, Bénish et nos. Incroyable. Il a 15 tours aussi hein, dans les pattes. Ah oui, Nos, ça va être compliqué pour lui. Est-ce que nos limites va aller chercher une victoire belge? Faire le doublé asgarien. Ah, il est bien parti pour. Ah, secteur 1, il y a eu un problème. Mais là, il n'y aura plus de safety car. Emery Cook 12ème.
Enextox qui passe pas Titan. Hein. Enextox ne passe pas Titan, mais non, à 5 secondes d'écart. Ouais. Si bien te passe. Il y a 5 secondes. Ah, oui, et Toth qui est parti à la faute. Et Titan qui est quatrième. Non, mais Enextox passera. Et Enextox qui passe Toth. Oh, et la fin pour Toth. Oh non, c'est horrible ce qui s'est passé. La fin pour Toth. Et Nextox a plus d'aileron. Nextox a plus d'aileron. Oh, c'est chaud. J'ai tellement le seum pour Nextox en vrai. Parce que Toth lui est rentré dedans. Oh là 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 là. Cette fin de course, c'est incroyable. Et nos limites toujours en tête. Nos deuxièmes bénis. Oh, c'est fou. Ah, Nextox, c'est chaud. Et Titan qui passe Béniche. Bah, les inters sont morts, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette course de folie? À l'image de toute la course asgarienne. Et Toth abandon. Et Nextox qui est huitième. Qui va voir le podium lui échapper. Je suis désolé de rester là-dessus, mais... Alors non, 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 il y a quand même une bataille pour la victoire finale entre Noz et nos limites, c'est le dernier tour. C'est complètement dingue ce qui est en train de se passer. On a 6ème Enzo, on a 12ème Emrikou. Et 8ème Nextox qui va voir, oui, tous les intermédiaires sont le dernier, son meilleur classement de la saison pour Emrikou peut-être, je ne sais pas. 11ème Emrikou, 10ème Z. Ah, Nextox c'est la fin. Et Toth qui s'excuse. Toth qui s'excuse. Ouais, Nextox c'est fini. Je suis vraiment désolé pour Toth. Toth qui s'excuse. Je suis vraiment désolé. J'ai perdu le contrôle de la voiture. Nextox qui abandonne. Emrikou va-t-il rentrer dans les points? Emrikou va-t-il rentrer dans les points? On en est là. Alors on va vite voir la victoire. Ou de nos limites. Oh, hop, 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 c'est chaud. Hop, 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 hop. Ils se sont touchés à Toulouse. Ah ouais, ça passe pas ici à deux. C'est dommage. Il a tout tenté. Et il a Titan. Titan qui va revenir. Emrikou 10ème. Emrikou 11ème. GG à nos limites, on a presque oublié nos 2ème. Un 3ème, 4ème Béniche, mais c'est quoi cette course de dingue? Titan podium, hein? Titan podium? Ah, je sais plus quoi penser, là je suis désolé, je voudrais mettre un joueur en avant. Ah oui, il a plus d'élan. Titan qui voulait participer à la course des champions, visiblement. Ouais, mais ça ne suffira pas. Il aurait fallu la première. Ah oui, ouais. C'était chaud. Même premier, je crois que ça passait pas. Oh là 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 là. Une course de fou là. Alors pourquoi Ninja a passé Béniche? Ça j'ai pas vu. Il faudra revoir. Non. D'après Béniche, il y en avait pas. Il faudra revoir. Ah ouais. Mais c'est une excellente question. Je vais pas faire attention. Et c'est terrible. C'est terrible. Je sais pas quoi dire. Je suis sous le choc. Et je voudrais dire GG à Emrikou qui a failli rentrer dans les points. Et qui finit cette course de dingue. C'est complètement fou ce qui s'est passé. Fin de course incroyable. Merci à tous les Asgariens. Et c'est vraiment la pluie qui s'arrête, les plus intermédiaires. Il y a une hésitation de la part de tout le peloton là-dessus. Tous les médiums qui finissent devant les intermédiaires. Le pilote du jour, c'est Brutalizer. C'était génial. C'est vrai qu'il faudra revoir un peu pour... Je sais pas, il faudra voir la fin. J'ai un clip, c'est bizarre, ils se sont inversés en fait. Alors que Will, c'est Ninja, avait des pénalités, il était derrière Béniche, qui n'avait pas de pénalité. Et ils se sont inversés quand ils sont passés la ligne. Béniche, pour moi, est quatrième en fait, sur le tableau. Ok, bah alors,
Ça, c'est bien qu'on le signale. On ira revoir ça et on Ouais. fera les ajustements Regarder, nécessaires. Ouais, c'est ça exactement. Donc, peut-être qu'on inversera. Ça veut dire qu'il faudra être attentif à chaque classement. GG Anonymite, qui est le premier à faire un doublé. C'est fou. C'est complètement fou. Nos limites, première victoire cette saison-ci. Alors, au niveau des vocales, etc., on fera un vocal avec Toth, le champion. Pour la course des oubliés, etc. Donc le 18 mars, on va pas faire de bilan de la saison maintenant, parce que même sur YouTube, la série est pas finie. Il y aura la course des oubliés, le trophée des champions, et là, on aura l'occasion de faire un bilan de cette saison-ci. Peut-être essayer d'avoir nos limites en vocal, si tu sais. Sinon, on te prend par écrit. Il n'y a pas de souci. C'est GG à tous pour cette saison, GG à tous pour cette course complètement dingue, complètement folle. Voilà, je ne sais que dire. Lucky Nounet finit bien troisième. On est passé par toutes les couleurs, lui aussi. On va essayer évidemment d'avoir un classement dans un instant. Et c'est incroyable en tout cas. Bien, alors la petite réaction de nos limites. Je vais manger, je suis vidé. Bravo à tous, la réaction de nos limites. Arikli, merci beaucoup de ton course très tactique. J'ai longuement hésité, évidemment, il y a eu beaucoup d'hésitation sur les pneus. Moi, le jeu s'est bloqué sur cette image et je trouve qu'elle est magnifique. Ah non, c'est bon, c'est en train de Moi, je me suis revenir. bloqué, on veuillez patienter, donc c'est parti. Complètement dingue. On va regarder le classement final, a priori. Classement de cette saison à Sguerin, il faudra vérifier les points pour Binich et pour Ninja, mais on est. Voilà, on en est sur des détails, mais c'est important. Toth finit la saison en tête, 442 points par un abandon. Noz, 352 points. Lucky Nounet, 257 points. La troisième place, GG Luc. C'était fou. Si. Nextox, 4e. Benish, 5e. Neko est 6e. 7e, Volcanox. Nonimit, 8e. 9e, Z. 10e, Valky. 11e, Blix. 12e, Titain. 4 points de Blix. 13e, Ninja. 14e, Simti. 15e, Brutalizer. 16e, Duanray. 17e, Adawan. 18e, Shiniko. 19e, Enzo. 20e, Watchdogs. 21e, Istran. 22e, Wasp. 23e, Minelité. 24e, Pépé McFly. Je peux déjà vous dire que les invités pour le trophée des champions qu'on vivra le 18 mars, ça sera Toth, Noz, Luke, Nextox, Benish, Volcanox, No Limit Z, Valky et Blix. Ils sont automatiquement qualifiés pour le trophée des champions. Neko est de côté parce qu'on n'a plus de nouvelles. Et voilà, il a pas assez participé cette saison-ci pour pouvoir y prétendre. Mais GG quand même à lui. C'est pas du tout un jugement de notre part, évidemment. Et puis après, tous les autres auront la chance de participer à la course des oubliés, avec quelques invités peut-être aussi. Voilà, il y a moins qu'il y ait un désistement, évidemment, dans les participants au trophée des champions. Dans ce cas-là, on prendrait le 12e, qui serait Titain, mais pour le moment, c'est pas sûr. Bref, sur YouTube, on se retrouve en tout cas pour le trophée des champions. On va terminer sur Twitch. Le trophée des champions et la course des oubliés. Merci YouTube de nous avoir suivis et à très vite pour d'autres aventures. Au revoir YouTube. Salut. Et Au merci aux revoir. commentateurs, évidemment. Au revoir.